بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السميع عليه من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين حبيبي وحبيبي اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وسحبه المنتجبين Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous avons commencé déjà à parler de la falsification du Saint-Coran et nous avons posé la question, la question essentielle qui est est-il possible que le Coran soit falsifié Si réellement pas possible, quels sont les preuves et si aussi pas possible, quelles sont aussi les preuves? Et nous avons essayé aussi de vous éclaircir sur les points en eh, ce qui concerne la définition, qu'est-ce que veut dire également la falsification, la falsification du Saint-Coran. Nous avons dit que dans la falsification, il existe deux sortes de falsifications. La première falsification eh, se porte sur le côté eh, littéraire, c'est-à-dire le côté verbal, et aussi l'autre qui est. Le côté, je te, je vais, si je peux m'insumer ainsi, le côté contextuel. Nous avons dit que le côté verbal, il est pratiquement impossible qu'il y ait une falsification. Mais le côté littéraire, le côté contextuel, dans le sens réel du Saint-Coran, il peut y avoir effectivement des manipulations et nous avons parlé de cela. Les preuves que nous avons essayé d'amener pour dire que le Coran ne peut pas être falsifié ni de la part, des êtres humains, ni de la part d'une intelligence quelconque, parce que Allah, subhanahu wa premièrement, lui-même, il nous a donné cette garantie de protéger le courant de toute falsification. Et nous avons essayé de Nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le rappel, et nous sommes réellement le protecteur de ce rappel. Et nous avons essayé de rappeler que le rappel ici, de, de notifier que les rappels ici veulent dire le Saint-Coran. Et le Coran, Allah nous a garanti cela. Et aussi lorsque vous essayez de voir les démarches mises en place pour, par le prophète Mohammed, aussi pour ne pas que le Coran soit aussi, euh, je peux me m'exprimer ainsi, euh, falsifié, même dans le, sur le côté verbal, je vais parler du côté littéraire. Le prophète, au moment de la révélation du saint coran il avait certaines personnes à côté de lui qu'on appelait couramment des scripts. Les scripts avaient les rôles seulement de, 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 de réunir ou d'écrire les révélations euh, qui se présentaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est important que nous puissions savoir réellement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là. Il a aussi eh, de formé des groupes de disciples qui étaient des rufades qu'on appelait les, les mémorisateurs de Saint courant qui mémorisaient le Saint courant. Cela même était là. Donc en réalité, le prophète avait mis tout en place en fait que non pas que le Coran soit falsifié dans la société des musulmans, après aussi bien sûr la garantie divine. Donc dans ce cadre-là, le prophète Muhammad il a fait tous ses efforts. Pour que le Coran soit effectivement protégé. Lorsque nous avons essayé de dire cela, nous avons donné comme preuve encore de plus, il a dit Il n'est pas comme fille, comme siklein, Allah à Lui, le prophète lui-même, il a essayé de nous donner cette garantie-là dans ce verset coranique, disant que je vous laisse deux choses lourdes le livre de Dieu et aussi, euh, effectivement, ma sainte famille. Il dit « Hablun biya wa hablun » C'est-à-dire que l'un des bouts de, ce corde -là, hein, de cette corde-là se trouve dans la main de Dieu et l'autre dans la main, et dans vos mains, et effectivement. Il est important que nous puissions essayer de, 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 claircir, de vous éclaircir sur ce point, c'est-à-dire lorsqu'on parle du livre de Dieu et ma famille ici-là, c'est comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il essayait de nous donner une garantie dans cette vie et cette garantie s'est trouvait dans le Saint Coran ou aussi dans la famille euh, sainte du prophète Mohammed. Nous avons essayé de notifier tout cela pour dire que, et effectivement ce qui est de, de, de génération en génération, ils ont essayé, oralement même ou par écrit, de transmettre le texte ou les, le, le Coran de génération en génération à génération et c'est ce qui a fait que le Coran se trouve entre nos mains. Et le Coran a été écrit même après le décès du prophète Mohammed par certains disciples. Parmi ces disciples, les fidèles compagnons et l'imam, mille des croyants, lui aussi, après le décès du prophète Mohammed, il avait pris l'engagement aussi d'écrire le Coran totalement, intégralement. Il a fait après le, le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toute cette démarche là rentre dans le cadre effectivement de, euh, ainsi, de la protection du Coran de toute falsification lorsque vous essayez aussi de voir dans le cadre des de, de, de savants musulmans et vous allez trouver que les savants musulmans ils ont essayé de, de déployer beaucoup d'efforts pour que le Coran ne soit pas aussi dit falsifié aujourd'hui malheureusement il y a une un, au sein de la communauté musulmane et il y a certaines personnes qui disent que les chiites ont un autre coran ils ont un coran et disent que le coran a été falsifié nous avons des hadiths que nous avons essayé d'énumérer et de l'autre côté et de ce côté et donc en réalité les sunnites ils ont des hadiths qui disent que le coran a été falsifié nous avons aussi des hadiths Réellement, lorsqu'on regarde avec le cœur ouvert, retrouvant effectivement que le hadith veut dire la falsification du Saint-Coran. Mais avec les hadiths, les chaînes de transmission de ces hadiths, lorsque vous regardez cela, et aussi effectivement le sens réel de ces hadiths ne va pas en, en harmonie avec l'enseignement coranique. Donc le Coran reste effectivement pour nous, l'ancien des hadiths, pour nous comme étant une balance efficace pour pouvoir peser. Réellement, euh, euh, le fait de la, fi la fiabilité réellement de ces hadiths qui se sont présentés de la part de l'un et de l'autre, que l'autre essaie d'accuser euh, l'autre, et effectivement, l'un essaie d'accuser l'autre. Et aujourd'hui, euh, je vous demande, mes chers frères et sœurs, de rester aussi tranquillement et de regarder dans ce sens que le Coran n'a pas été falsifié. C'est ce Coran qui a été révélé au prophète Muhammad jusqu'à nos jours et c'est ce Coran qui se trouve entre nos mains. Toutes ces accusations non fondées, il ne faudrait pas se fier à ces accusations, il faut vivre avec la réalité. La réalité est que les savants, la majeure partie des savants musulmans, tous les savants aujourd'hui sont unanimes que le Coran n'a pas été falsifié. C'est très important parce que lorsqu'on parle de la falsification du Saint Coran, nous avons dit que ça rentre dans ce cadre-là comme si ça mettait en cause en réalité la prophétie du prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam et pas seulement cela, mais aussi la génération à venir comme si le Coran ne pouvait pas effectivement guider l'humanité, ne pouvait pas aussi être un système de vie pour l'humanité tout entière jusqu'au jour du jugement dernier. Effectivement, vous allez trouver aussi des équipes qui ont été élevés par certains savants qui disaient que oui, le Coran en tant, qu en tant que tel, c est, c est, c est, ça vient de l'instinct et de l'intelligence du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, lorsque le prophète lui-même il dit, il ne dit pas que ça vient de, in, de mon intelligence, il dit que yuha ilayya », Il dit que le Coran est. Mais, on me révèle ce Coran. Et effectivement, lorsque vous regardez aussi Aminul Wahid Jibril, vous allez voir que le Coran lui-même essaie de notifier cela, de nous faire savoir que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait descendre, ça à dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le ciel ou sur le cœur du prophète Muhammad Donc en réalité, personne, personne, mes chers frères et ne pouvait aussi se dire que ça vient de l'intelligence, de prophète Muhammad sallallahu et ce n'est pas une révélation de la part d'Allah subhanahu wa taala ça c'était le premier point le deuxième point est ceux qui se sont euh, affilés de, effectivement de dire que ce Coran que nous avons entre nos mains aujourd'hui ce n'est pas un Coran qui peut être actuel ça parle de l'histoire ça parle de tout et nous allons dire que le Coran est un livre qui s'adapte qui, qui, qui a servi les gens qui sont passés aujourd'hui qui s'adapte au présent et à l'actualité et effectivement, et cela est important, mais je crois que nous puissions aussi voir cela. Et il y a d'autres personnes, Dr. Shariati, il a essayé de dire que le Coran, depuis sa, ré son ré sa révélation, le temps de l'ère du prophète Mohammed jusqu'à nos jours, c'est seulement qu'après la grande occultation, la valeur du Coran est tombée et le Coran ne peut pas servir cette communauté. Et nous allons essayer de dire que le Coran sert cette communauté et c'est ce qui gère la communauté musulmane, une masse aujourd'hui jusqu'à à notre temps. Et c'est tout à fait ceux qui ont essayé de mettre le Coran en marche, qui ont bien compris le Coran et la philosophie de l'enseignement du son Coran, ils se sont essayés de se faire une vie meilleure aujourd'hui, une vie pleine de justice et d'équilibre. Équilibre physique, même et spirituel. Non, en réalité, lorsque nous essayons de parler de ce Coran, nous n'avons pas fini de faire en un mot. Nous allons essayer de vous résumer pour dire que le Coran n'a pas été falsifié le Coran est resté intact de la, depuis le jour du prophète Mohammed jusqu'à à nos jours. Et malheureusement, malheureusement, fort malheureusement, dans le temps de certains khalifs, ils ont essayé même de, de, de brûler et, et de faire disparaître la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et effectivement, cela a, a, a apporté vraiment des prédiges à l'explication du Saint-Coran, parce que le Coran lui-même dit que nous t'avons fait descendre. La révélation, afin que tu puisses l'éclaircir hein, euh, aux gens. Mais éclaircissement éclair du Saint-Coran, ce n'est rien d'autre que la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cela qui est important lorsqu'on veut parler du Coran. Donc les trésatins ont essayé de résumer cela. Ce qui est plus important alors lorsqu'on parle du Coran, lorsque le Coran est mis en cause, et c'est comme si on avait essayé de mettre effectivement le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, le seul des prophètes, etc. Nous allons essayer de vous dire, mes chers frères, que euh, le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, cela veut dire que le Coran est le dernier des livres et le Coran doit rester serviable jusqu'à la fin de ce monde. Et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, de, de nos jours aujourd'hui. Mais parlant effectivement de El Khatamiya, je vais parler de le fait que le prophète soit le dernier des prophètes, est lié au sujet que nous avons essayé de parler. Auparavant. Donc en réalité, on parle de Khatamiya et vient du mot Khatam, ça veut dire que c'est un outil que l'on prend pour rendre fin hein, à un événement. Et aussi, événement qui soit, on parle aussi d'un de, de, tampon. Le tampon est fait aujourd'hui pour lorsqu'on essaie d'écrire. Une lettre à la fin de cette lettre pour dire que la lettre est finie. Nous avons l'habitude, depuis le temps du prophète, et le prophète le faisait, de mettre réellement le tampon sur la lettre. Et le tampon, euh, il y a aussi cet ensemble, euh, le fait que ce soit un tampon, parce que le tampon aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam figurait réellement sur euh, sa bague. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on parle de Khatam, ça s'applique aujourd'hui. Au tampon et ça s'applique aujourd'hui au tampon de nos jours et ça s'applique aujourd'hui aussi au bagues la bague que l'être humain porte euh, pour l'apparue. Donc en réalité lorsque vous essayez de voir cela euh, le verset coranique qui nous parle réellement de euh, le fait que le prophète soit le dernier des prophètes et ce verset coranique wa ta'ala nous dit ceci dans le saint coran ma muhammadun Aba ahadin min il dit, le prophète n'est pas aussi le père de l'un de vous, euh, l'un de vous en tant que euh, les disciples. Il est seulement que le messager de Dieu. Il est le dernier des prophètes. Il est important que nous puissions signifier cela. Mais effectivement, lorsque nous essayons de regarder ce verset coranique concernant la signification, nous avons dit quelque part que Khatam veut dire le tampon et de l'autre côté Khatam veut dire une bague. Donc ici, quelle serait réellement l'explication Il y a certaines personnes qui ont essayé de créer cette équivoque-là, disant que eh, puisque Khatam, c'est-à-dire que la bague est faite seulement pour l'apparir, hein, Allah ta'ala, avait essayé de nous dire que le prophète, il est la parule, il est celui-là même qui embellit hein, le, 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 tous les prophètes. Donc, il est le meilleur des prophètes, pas seulement le dernier. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir eh, aussi encore d'autres choses eh, concernant ce sujet, et eh, vous allez dire parce que le Coran aussi dit que eh, concernant l'équipe de dixième équivoque, il n'a pas dit. Le dernier des messagers, mais il a dit le dernier des prophètes, donc il y aura forcément des messagers après le prophète Mohammed. Donc, lorsque nous essayons de voir, les premiers équivoques se portent réellement sur pour dire que, euh, le fait que le prophète euh, soit le dernier et qui explique le, le verset coranique que nous avons cité euh, tantôt. Euh, dans cette explication, vous pouvez trouver que le Coran, essaie de nous dire que, ici, réellement, lorsque vous essayez de voir, des premiers temps jusqu'à nos jours, il a été donné comme explication pour Khatam par les Arabes, eux-mêmes étant bien le dernier des prophètes. Puisque Khatam, aujourd'hui, lorsqu'on finit d'écrire une lettre, nous mettons un tampon pour dire que la lettre, pour expliquer la fin de la lettre. Effectivement, celui-là même qui a essayé aussi d'écrire cet équivoque pour dire que le prophète, il a dit « Khata man nabiyyin » le dernier des prophètes, pas le dernier des messagers, donc il pourrait avoir des messagers après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de dire qu'il n'y a aucune différence parce que le messager, il ne peut pas être messager sans qu'il soit d'abord prophète. Tout prophète n'est pas messager, mais tout messager est prophète. Donc c'est tout à fait clair que nous puissions dire qu'il n'y aura pas de prophète ou de messager après le prophète Mohammed. Parce que pour être messager, il faut être d'abord... Donc dans ce cadre-là, Allah ne va pas envoyer un autre prophète. Le livre qui nous a été révélé par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre qui nous suffit, c'est un système de vie pour nous. Il suffit de s'accorder avec les enseignements de ce livre -là. Pour être plus clair, il y a encore un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.

Pendant les mmh. eh, la bataille de Tabouk, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le danger qui, de la part de, 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 des hypocrites qui menaçaient la république islamique à Médine, le prophète partait à la bataille avec les disciples. Et les musulmans, il a demandé à ce que l'imam Ali soit à Médine pour sécuriser Médine de tous les hypocrites. Il est resté. L'imam Ali a voulu réellement participer parce que les hypocrites ne faisaient que dire qu'il a essayé de retenir son, son cousin à Médine pour ne pas qu'il soit tué. Et il nous, a, il nous amène à une bataille pour, que nous, pour nous faire tuer, assassiner pas les ennemis ou tu es pas les ennemis. Donc le prophète Mohammed sallallahu Ali, ce propos le dérangeait, il allait voir le prophète lui disant que je voulais quand même participer à la bataille, et le prophète lui dit, « antakouna minne Harun min moussa illa annahu »« Aimerais-tu pas que tu sois, qui occupe le même statut que Harun a occupé avec Moussa ?» Hein? Le statut de Harun était qu'il était le, le, le calife du prophète et il était aussi en même temps prophète, mais celui qui succédait. Tout ce que Moussa alayhi salam, avait amené comme étant bien le message, et il a essayé de soutenir cela, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Il dit, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi, parce que euh, Haroun était prophète, lorsque Moïse euh, wa alayhi wa alayhi est parti à la rencontre de Dieu, Effectivement, c'est Harun wa wa qui est resté comme étant bien un successeur de ce prophète Moïse ala wa wa Donc c'est tout à fait clair, mes chers frères et soeurs, que le prophète essaie de dire qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Le hadith est tout à fait clair pour dire qu'il n'y aura pas de prophète après le prophète Mohammed. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas ignorer aussi il y a aussi cette, la révélation, c'est fini c'est la fin de la révélation, mais il peut y avoir aussi des sursauts d'inspiration divine. Lorsque quelqu'un s'adonne à Allah subhanahu wa ta'ala et essaye de purifier son âme, il peut avoir réellement des sources divines pour qu'il puisse les inspirations divines pour lui donner des enseignements, soit dans le rêve là, ou étant bien debout, pour qu'il puisse voir certaines choses qui sont cachées effectivement cela peut se passer mais pas avec le statut d'un prophète mais avec le statut d'un être humain tout simple qui, est, qui fait partie des ulis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se plie eh, réellement aux volontés de Dieu il y a aussi ces secrets qui se trouvent effectivement dans le dans le, le, le fait que le prophète soit le dernier des prophètes. Il y a eu de, effectivement des équivoques sur cette question pour dire que le prophète n'est pas le dernier des prophètes. Non, en réalité, sa mission n'est pas réellement essayer d'englober toute l'humanité parce que le Coran est limité pour eux qui ont essayé de créer cette évocote, le Coran est limité dans le sens et dans le fond et il y a certaines personnes qui ont essayé d'expliquer cela à l'intérieur de la religion il y a certaines personnes ou aussi à l'extérieur de la religion il y a aussi certaines personnes qui ont essayé de l'expliquer Iqbal Lahouri il a essayé de dire que le Coran aujourd'hui a été révélé au prophète Mohammed non par cette révélation que nous croyons par l'intermédiaire d'Ange Gabriel, la Pas d'Allah, mais c'est une inspiration personnelle, aussi un instinct qui est à lui, son intelligence qui a pu produire ce Coran. Donc en réalité, nous avons essayé de donner des témoignages pour dire que l'intelligence comme l'intelligence ne peut pas révéler euh, ce Coran. Et nous avons essayé de dire aussi que celui qui a dit que non, le nom du Coran a été révélé au prophète Muhammad jusqu'à à la grande occupation al al khubra le Coran n'aurait plus peut-être après. Eh, depuis ce temps, le Coran n'a plus sa valeur et le Coran ne peut pas aussi suffire l'humanité dans la progression et aussi eh, tout ce qui se présente à l'humanité et d'être vraiment eh, quelque chose qui puisse répondre vraiment aux besoins de l'être humain eh, d'aujourd'hui. Nous avons dit que le Coran peut essayer de répondre aux besoins des êtres humains et le Coran est toujours essayé de répondre aux besoins de êtres humains jusqu'à nos jours. Donc il est important que nous puissions réellement vous faire signifier que le Coran, il reste le Coran. Il n'a pas été falsifié, il est le dernier des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, Donc le dernier prophète nous apporte ce Coran, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont le Coran reste effectivement intacte et aussi le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reste le message qui puisse répondre jusqu'à nos jours les besoins de l'humanité Inch'Allah mes chers frères et soeurs et sur ce je vais vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.